Hey, bonjour à vous. J'ai eu une idée avec le Ronin qu'on peut voir ici qui est assez lourd après un certain moment. Je cherchais quelque chose pour pouvoir le supporter. Alors, j'ai pensé à peut-être une sangle que je pourrais mettre ici, mais comme on peut voir, il y a deux trous pour installer le trépied. Au lieu de le mettre là où il va en ce moment ou habituellement, là où on le met, je ne sais pas si on peut le voir, en tout cas on va le voir sur l'autre prise. J'ai changé en mettant un adaptateur un quart 3/8. J'ai simplement déplacé le trépied, petit trépied à l'arrière, ce qui me donne cet espace-là ici, qui va permettre de mettre une sangle que je vais mettre autour du cou et je vais venir l'accoter dessus. C'est ce qu'on va voir dans 3 secondes. Alors, voici comment faire pour utiliser une sangle de caméra. En utilisant ce petit adaptateur 1/4 3/8, en le déplaçant tout simplement dans le plus grand des deux trous, ce qui va nous donner deux trous de la même grosseur, pour ensuite nous permettre de déplacer le petit trépied de son endroit original vers l'arrière, dans un nouvel emplacement, qui va nous permettre d'avoir un espace suffisant pour que la courroie puisse venir s'accoter en dessous du Ronin, l'espace qu'on voit ici, juste en bas du trépied. Sangle d'appareil photo qu'on peut retrouver un peu partout. Je vais simplement utiliser cette sangle-là sans rien du tout. Une sangle qu'on achète pour les caméras photo. On va installer tout simplement comme ça à l'épaule. Et on se retrouve avec ça. Quoi faire avec ça? Le trépied, on referme. On le passe simplement ensemble et l'espace qui est ici va servir simplement à venir à côté. Et voilà, je peux tout simplement venir l'accoter et le supporter. Pour que ce soit plus sécuritaire, je peux juste faire une petite boucle et le mettre comme ça dedans. Et voilà. Alors, dès que le tournage est fini, on est en pause. Je peux relaxer mon bras. Et c'est la sangle qui supporte le tout. N'importe quelle sangle peut faire la job. Sangle de ceinture, de valise, une sangle pour n'importe quoi. Trouvez juste la bonne longueur pour vous. Alors, une autre idée aussi, en plus de la sangle. Petit support qui vient de Zion. Petite poignée. Ou toute autre poignée qui peut le faire. On a une vis ici, je ne sais pas si on peut bien la voir. Et derrière, on a une autre vis, un quart, je crois. Et voilà. Alors, l'idée de cette poignée, évidemment, il y a d'autres trous. On peut mettre d'autres accessoires, d'autres braquettes. Moi, je fais la braquette pour le micro Rode. Alors, l'idée de ça, avec ceci, c'est de venir enlever le trépied qui est ici. Venir visser ça et le trépied, on vient visser en dessous. Je vous montre. Alors, bien entendu, on a le Ronin S, le dessous. Évidemment, j'ai mis l'adaptateur pour pouvoir mettre le 1/4 versus 3/8. Je vais prendre la fameuse poignée. Avec la vis qui est ici, on va pouvoir venir la mettre dans la prise qui se trouve à être à l'avant. On peut le mettre à gauche ou à droite. On peut aller de ce côté ou de l'autre côté. On a juste à le tourner. Ensuite, on vient prendre le petit trépied. On va venir le visser ici en dessous. Ce que ça va donner. Et on a les oignons. La petite poignée des oignons qui est fixée après le Ronin. Et on va pouvoir s'en servir avec les deux mains.
Alors, on a la famille du courroie. Tout simple. Comme ça. Ici. On n'oublie pas de faire juste le petit rond comme ça. On va venir mettre le trépied à l'intérieur aussi. Et voilà. C'est pour ça que j'ai gardé l'espace ici. Puis ça aussi, ça va servir de support. On vient tourner. On glisse à l'intérieur. Et voilà. Ah, je suis en train de me reposer la main. Je ne sais pas si on peut bien voir. Et voilà. Fantastique. J'avais besoin. Je suis encore parfaitement habile pour pouvoir m'en servir quand même. Quand même si j'ai la ganse. J'ai fini ce que j'avais filmé. Évidemment, tout le poids vient ici sur la ganse. Alors, et voilà, une autre idée que vous pouvez essayer à la maison. Bonne journée et bye bye!